Nous allons nous tous nous prosterner dans sa présence. C'est formidable. Je n'ai pas de parole, mais je lui donne seulement mon cœur et ma vie. Très cher Père, l'incomparable, tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Je vois ta fidélité. Je vois ta fidélité. Je vois ta fidélité à l'œil nu. Seigneur, personne ne pouvait imaginer avec son intelligence qu'aujourd'hui, en cette date du 31 décembre 2019, nous pourrions prier dans ces lieux. Parce que le jour que nous sommes venus, Seigneur, poser la première pierre, nos pieds étaient dans l'eau. Nos pieds étaient dans l'eau. Seigneur, tu as réalisé cet exploit. Pas pour que le monde t'apprécie, mais parce que tu veux, Seigneur, que nous, ton peuple, tes enfants, tes fils, nous t'adorons dans un bon cadre. Seigneur, tu as construit cet édifice pour nous donner ce bon cadre. Mais une chose est vraie, Seigneur, la santé, le salut que tu nous as envoyé est plus salutaire que ce bon cadre. Et j'ai confiance, Père, de la même manière que nous a donné ce bon cadre, j'ai confiance que tu vas donner la santé, tu vas donner la vie, tu vas donner la guérison, tu vas donner la délivrance, tu vas donner la fécondité, tu vas donner le travail, tu vas donner la prospérité. Tu vas donner la victoire. Tu vas donner la vie éternelle. Tu vas donner la bénédiction. Merci Père. Nous te célébrons pour ta fidélité. Et Père, en cette journée d'aujourd'hui, nous te dédions ce culte. Et nous te dédions ce peuple. Et nous te dédions encore cet édifice. Que tout soit pour ta gloire. Et tout soit pour ta gloire. Papa, merci Dieu de gloire. Nous t'appelons, Seigneur, le Dieu des cieux, notre Père, de venir résider dans ces lieux toute ta vie, de venir résider dans ces murs. Père, que tu aies des regards fixés sur cet édifice, qui à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, quand nous prions dans ces lieux, que nos prières soient exaucées et que la réponse, Seigneur, vienne immédiatement. Père, dans le nom de Jésus, le Dieu de gloire, je prie, que ta gloire réside sur ce temple dès maintenant. Et que tous ceux qui viennent te chercher dans ces lieux puissent te rencontrer, Seigneur Dieu. Puissent repartir avec les témoignages. Puissent témoigner que tu es réellement vivant. Que tu es Dieu, Seigneur. Merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions, Papa. Il n'y a point de Dieu comme toi dans le ciel et sur la terre. Tu es le seul véritable Dieu, Seigneur. Merci, Papa. Merci Dieu de gloire pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Tu as montré réellement que tu dis la chose arrive. Tu en donnes, elle existe. Nous voyons aujourd'hui, Seigneur, à l'œil nu, l'œuvre que tu as accomplie au milieu de nous, Seigneur. Du néant, Père, tu as fondé cette maison. Sans argent, Père, tu as fondé cette maison. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes ici. Que toute la gloire, Seigneur, toute la louange, Seigneur, l'adoration te soit rendu à jamais, au siècle des siècles, Père. Merci, Dieu de gloire. Nous te bénissons encore. Nous te célébrons. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas encore faire des grandes choses au-dessus, Seigneur, de ce que nous voyons aujourd'hui. Merci, Dieu de gloire. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Je bénis ta puissance. Je bénis ton esprit. Je bénis tes anges. Je bénis les esprits professionnels, prophètes. Merci pour ton armée dans ces lieux, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, dans le feu. Merci, Père.
À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je déclare que les anges sont à l'œuvre dans ces lieux. Et que Père, que nos prières soient transposées dans ta présence par le service des anges, le ministère des anges. Et que nous recevons, Seigneur, aussi tes réponses à travers les anges. Car à partir d'aujourd'hui, Seigneur, les anges montent et descendent dans ce lieu. Et que Père, cette maison soit la porte du ciel sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa, nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons ta majesté Seigneur. Nous reconnaissons ta majesté Seigneur. Sois toujours à jamais le Dieu de gloire dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Merci le Dieu de mon salut. Merci le Dieu de mon salut. Merci le Dieu de mon salut. Merci pour ta fidélité. Nous te bénissons encore pour ce peuple merveilleux. Je dédie à toi ce peuple et chaque famille ici présente. Laisse que Père, chacun de nous puisse avoir une rencontre surnaturelle avec toi et que son histoire change en particulier. Tu connais la situation de chacun de nous, Père très saint. Merci. Merci Père. Que la prière faite en ces lieux soit couverte dans le sang de Jésus. Merci pour les impacts qui accompagnent cette prière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je dis Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu là où tu es. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu là où tu es. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu là où tu es. Acclame plus fort, pousse les cris de joie. Acclame plus fort et pousse les cris de joie. Acclame plus fort et pousse les cris de joie pour la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Tes ennemis verront la gloire de ton Dieu. Ceux qui se doutent de toi, qui se moquent de toi, ils vont accepter que tu pries un Dieu vivant. Ils vont dire que tu pries un Dieu vivant. Ils seront surpris, étonnés, parce que ton Dieu est vivant. Il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Nous prions Dieu vivant. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. De la poussière, il relève l'indigent. Il relève l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands. C'est ton héritage. Ton histoire change. Les choses changent. Dans le nom de Jésus. Et c'est toi, dis Amen plus fort. Alléluia. Tu dois exprimer ta joie. Nous sommes partis de loin. Nous sommes partis de loin. Lorsque nous avons commencé cette mission, beaucoup de gens ont mis des points, ont limité Dieu. Lorsqu'on a commencé la construction, des gens nous appelaient lâches. Dieu va voir comment ces lâches-là vont finir, achever la maison. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que nous sommes là. Parce que notre Dieu nous a menés ici. Tu vas arriver là où les gens n'imaginent pas. Tu vas arriver là où les gens n'imaginent pas. Tu vas arriver là où les gens n'imaginent pas. À partir d'aujourd'hui, cette onction se manifeste dans ta vie. J'enlève le poids qu'on a mis devant toi. Je remplace par la virgule. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te transporte dans ses airs, dans l'onction, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui se doutent de toi vont regretter cela. Ils vont regretter. Ceux qui t'ont choisi pour adversaire, ils vont changer l'ennemi. Ils vont changer l'adversaire. Parce que ton Dieu va montrer qu'il est vivant. Oh, dis-moi, Amen. Je ne crois pas ce que mes yeux voient. Hier, c'était un rêve. Mais aujourd'hui,
vie n'est plus un rêve. Ta vie ne sera jamais un rêve. Ta vie va devenir réalité. Oh, dis ta mère. Alléluia. On se disait, mais Seigneur, est-ce qu'on va finir? Et les gens disent, on va voir. Là, ils vont prier dans cet endroit. Aujourd'hui, nous sommes là. Écoutez-nous, louons Dieu dans ces lieux. Aujourd'hui, nous sommes là. Tu vas arriver jusqu'au bout. Tu vas arriver jusqu'au bout. Tu vas arriver jusqu'au bout. Rien ne pourra t'empêcher. À partir d'aujourd'hui, cette onction t'est saisie. Cette onction t'est saisie au nom de Jésus Christ. Je veux que tu réalises dans quel endroit tu te trouves. Tu verras la main de Dieu. Si tu peux réaliser que tu es dans un endroit où les gens disaient, on verra comment ils achèveront. Si tu peux réaliser que tu es dans cet endroit aujourd'hui là, pas demain, ici aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de défi. N'aie pas peur de l'adversaire. N'aie pas peur des paroles des hommes. N'aie pas peur de ce que les gens pensent de vous. Croyez en Jésus. Croyez en Dieu. Je vois un changement dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, le Dieu qui a réalisé cet exploit va changer ton histoire. Va changer ta vie. Tu vas passer au prochain niveau. Il y a un prochain niveau. Il y a un prochain niveau. Il y a un niveau qui arrive. À très bientôt, tu vas dire bye bye à la pauvreté, bye bye à la maladie, bye bye au célibat, bye 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 bye. Cette onction est ici. Cette onction des défis est ici. Cette onction des défis, les gens qui ne croient pas en toi vont changer de langage. Oh, dis ta mère, va changer de langage. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ils vont très bientôt dire, non, lui là n'est plus Dieu. On n'a jamais vu un Dieu comme celui-là, comme son Dieu. C'est ton image. Je déclare aujourd'hui, ceux qui t'ont lancé des défis vont tomber en lambeaux. Vont tomber en faillite. Vont tomber en faillite. Parce que ton Dieu est en train de te lever dans ces lieux. C'est un lieu nouveau. Il y a une vie nouvelle. Dans ces lieux, il y a un changement. Amen, amen. Les choses arrivent à son apogée. Salomon n'avait pas de bouche avant d'achever l'œuvre de Dieu. Maintenant, j'ai la bouche. Maintenant, tu as la bouche. Maintenant, tu as la bouche. Maintenant, tu as la bouche. Ça ne s'arrête pas ici. Ça va continuer toute ta vie. Dis maintenant, j'ai la bouche. Parce que mes yeux ont vu. Parce que j'ai touché. Alléluia. Tu rentres dans la gloire. À partir d'aujourd'hui, c'est la gloire. Et ça m'a poussé la cri de joie. Change ta manière de voir les choses. Ne vois plus ta vie dans l'optique du passé. Vois ta vie dans une nouvelle dimension.
Écoutez-moi, pour qu'il y ait un changement physique, c'est qu'il y a eu déjà un changement spirituel. Si Dieu a changé ces lieux, c'est que spirituellement il y a un changement. C'est que spirituellement il y a un changement. C'est l'onction qui va te saisir aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tu ne seras plus jamais la même personne. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu ne peut pas changer les conditions sur le terrain tant qu'il n'en a pas changé dans la dimension de l'esprit. Ne sois pas ignorant. Comprenez ce que je dis. Il y a une onction ici. L'onction de changement. Il y a l'onction qui est ici. Et nous allons savourer cette onction par la grâce de Dieu. Il n'y a plus de doute, personne ne peut te convaincre autrement. Parce que ceux qui disaient, on va voir là, ils vont prier. Dès demain, ils vont changer de langage. Donc, je vois un changement. Les gens qui t'ont lancé des défis, ils changent de langage maintenant. Tu sonnes ici. Ils vont changer de langage. À partir d'aujourd'hui, ceux qui attendaient ta mort vont voir ta vie. Ceux qui t'ont maudit vont voir ta bénédiction. Ceux qui t'ont ravi la vie vont voir ta vie. Dis-moi même plus fort. Ceux qui ont mis un point vont changer de langage. Recevez cette onction. Recevez au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu peux louer ce Dieu? Est-ce que tu peux louer ce Dieu? Est-ce que tu peux louer ce Dieu? Cette onction descend aujourd'hui dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il y a des gens qui vont piquer les crises à cause de ton élévation. Ça va faire les palpites. Ton élévation va bouger le camp d'adversaire. Il y a des gens qui vont piquer des crises. Les crises de tension. Parce qu'ils attendaient que tu meurs. Mais ils ne te mourront pas. Ils ne verront pas ta mort. Mais ils verront ton succès. Ils verront ta réussite. Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Dites amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons. Je pose la question. Est-ce que ce que nous voyons ici est un exploit? Est-ce que tu vois un exploit? Est-ce que tu vois un exploit? C'est que Dieu est avec toi. Alors, prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de ne pas baisser les bras, de ne pas croiser les bras. Sois battant. Sois une femme battante. Ne te décourage pas. Ils ne savent pas qui tu es. Très bientôt, ils vont voir ce que Dieu a préparé pour ta vie. Alléluia. Ne t'en fais pas quand Dieu va commencer à te bénir. Ceux qui se disaient qu'ils prieraient Dieu vont commencer à se douter d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Je suis ravi et grandement béni parce que, bien aimé, je suis très émotionné. Ici, c'était l'eau. Vous avez des images. Souvenez-vous, le jour que nous sommes venus poser la pierre ici, c'était comment?
Maintenant, commence à voir ta vie dans cette dimension nouvelle. Oh, dis amen! Ne vois plus ta vie dans l'ancienne dimension. Commence à voir ta vie dans la nouvelle dimension. La dimension d'exploit. La dimension du succès. Je disais, Seigneur, je vais voir ce que tu vas faire dans cette maison. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est pourquoi je vais parler du rendez-vous par la grâce de Dieu. Bien-aimé, la vie est faite des temps de hausse et de bas. Et bien-aimé, s'il n'y a pas toutes ces choses dans la vie, on ne connaîtra pas la grandeur de Dieu. Je comprends une chose. Dieu permet les opportunités à travers les circonstances. Si tu sais exploiter les circonstances, ta vie sera garnie d'opportunités. Je n'ai jamais connu le succès dans ma vie sans passer par des épreuves. Je bénis Dieu parce que je sais exploiter les épreuves pour aboutir au succès. Ne sois pas désespéré. Il y a un bon bout de temps, ta vie ne va pas de l'avant. Parfois tu te dis, est-ce que Dieu existe? Pourquoi les choses ne changent pas? Seigneur, où es-tu? Je veux te rassurer aujourd'hui que Dieu est avec toi. Ne vois pas la réalité. Vois sa promesse. Vois sa parole. L'ennemi va t'influencer. Si tu restes attaché, tu finiras la tête haute comme un vaillant héros. J'ai beaucoup de choses à dire. Mon cœur est rempli et débordé. Mon cœur est débordé de joie. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Peu importe les défis. Peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe ce qui souhaite de ta vie. Place ta confiance en Dieu. On ira loin. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont venus faire le Saint Thomas. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, vous avez vu. Merci. Merci Seigneur. Nous sommes ravis. Nous sommes aux anges. Ta joie déborde. Ton onction déborde dans ces lieux. C'est pourquoi nous avons voulu exprimer cette joie, Seigneur. Parce que tu as fait des choses. Et tu as fermé la bouche de beaucoup de gens. Et ceci reste ainsi toute notre vie dans le nom de Jésus dans ce ministère. Est-ce que tu peux dire amen? Acclame plus fort pour sa gloire. Acclame plus fort pour sa gloire. Merci beaucoup, Seigneur.